Ben ouais, franchement, on a vu une belle équipe de trois qui joue au ballon, qui repart de derrière. Et franchement, félicitations à eux parce que ils pourraient faire comme certaines équipes, se mettre tous derrière, à défendre tout le match et eux, ils essaient de jouer. Et en plus, ils jouent bien. Donc voilà, on a vu quand même une belle équipe de trois ce soir. Flo, c'est quoi le bilan de cette première partie de saison? Bah pour moi, c'est un bilan positif. On est sorti des poules en Europa League. Championnat, on est quatrième, on est bien. Et donc pour moi, c'est un bilan plus que positif. Maintenant, il reste encore 6 mois. C'est à nous de nous accrocher, de faire le maximum pour rester comme on est. Est-ce que vous pouvez faire mieux, justement, parce que là, vous êtes derrière Lyon et Monaco. Il y a une possibilité d'aller chercher la deuxième place, je pense? Bah déjà, avant la deuxième place, on essaiera d'aller chercher la troisième place, mais on sait que ça va pas être simple. On a de bons concurrents, Paris, Lyon et Monaco, c'est des bonnes équipes. On a perdu contre le deuxième et le troisième, donc on essaiera de faire mieux au match retour et à ce moment-là on fera le bilan. C'est pas frustrant, c'est qu'on est 38 points et être quatrième, c'est assez inédit pour l'instant en Ligue 1. Normalement avec 38 points tu finis sur le podium, même au niveau des matchs aller. Moi, je sais pas, je connais pas cette statistique, donc si vous le dites, je vous crois. Il y a de bonnes équipes, comme je viens de le dire juste avant, il y a de bonnes équipes, il y a de bons effectifs, et devant ça se tire la bourre, donc ça nous montre et ça nous prouve qu'il faut être présent tous les week-ends, prendre le maximum de points possible et essayer de pas perdre le chemin.